Hey, une pizza est cachée dans cet épisode. Sois le premier à la retrouver et envoie-nous le screen sur Twitter. Yo, les pizza guys, c'est votre cas. Aujourd'hui, on se retrouve sur Pen de Town Raid. Alors en fait, le but est de repeindre une salle en rouge. Vous allez très vite comprendre pourquoi. On se retrouve donc dans un bar plutôt branché, hein, donc on va l'appeler le Saint-Péruvien, avec Michel. Donc Michel qui est juste ici. Alors ça se joue à la manette d'Xbox, donc ça c'est assez cool à savoir. Pour l'instant, l'ambiance est plutôt calme, hein. Il y a des petits jeux de fléchettes, on se fait plaisir. Là c'est que les employés, donc faut pas trop que je rentre, je pense. Là c'est les toilettes. Salut, ça va? Ah donc lui, c'est le surveillant de toilette. Alors, il n'y a pas ça en France. Je sais qu'il y a ça au Canada, aux États-Unis. C'est-à-dire que des gens surveillent les toilettes. Bah, c'est un métier comme un autre, hein. On peut dire que c'est un métier où t'es souvent, bah, dans la merde. Là, on est à l'étage avec toute la clique. Salut Jean-René, ça va? Oula, pardon. Ah, pardon, vous étiez. Ah, oula, vous étiez en train de. Oula, ouf, ouf, ouf. Excellent, y a pas de soucis, hein, je suis pas contre, hein, mais non, je peux aller voir ça. En fait, quand vous tapez le premier mec, y a une bagarre qui se déclenche, et du coup, tout le monde se bat contre tout le monde, et très peu de personnes se battent contre vous. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, plus je fais des kills, plus j'ai des bonus. Là, y a un petit groupe qui joue. Alors, c'est de la flûte de pan, ça s'entend très mal, mais c'est vraiment de la flûte de pan. Alors, j'ai de la vie moi aussi, faut pas que je meure, y a un record à battre. J'ai déjà essayé une fois, je suis monté à 50 kills, ça c'est ouf, je sais. Alors ce qui est assez cool, c'est le style pixel, du coup quand vous tuez, bah ça fait des 100 pixels, attention. Hop là, pardon. Dès que je lui foutre un coup de queue. Alors queue de billard, attention, on pensait pas à la bite, hein, forcément. Alors ce qui est assez cool aussi, c'est que vous pouvez enlever la musique juste en faisant ça. Ta gueule. Et du coup les guitaristes ramènent avec leur guitare, et ça c'est assez ouf. Au même titre qu'un mode zombie, alors c'est beau, hein, ce que je suis en train de dire. On peut du coup les taper, pour qu'ils vous suivent, et les faire tourner. Là, alors il y a un mec, alors voilà, lui, c'est un mec qui faisait partie des déménageurs bretons. Et il a pas perdu l'habitude, quoi. Il voit une chaise, il la remporte. Par contre, il y a pas de camion, donc où est-ce que tu vas la mettre, ta chaise, mec? Et vous allez voir qu'au fur et à mesure aussi, il y a pas que, en fait. Hein. Il y a des mecs qui viennent, on sait pas trop d'où ils viennent d'une autre planète. Ils arrivent par les portes. Coup de tasse. Hop là! Vous avez vu que pour l'instant, j'ai pas vraiment perdu trop de vie, hein. Ça va, je m'en sors plutôt bien. Donc là, j'ai débloqué le super coup. Je ne sais plus comment on le fait. Dans le doute, on va pas le faire tout de suite. On va attendre qu'ils arrivent tous. J'aurais fait la connerie de dans la cuisine. Oh là là, la connerie. Wouhou! Hop, tout le monde tombe! Dans le coin là, hop. Oui, poussez-vous! Je suis en retard! Non! Yes! Oh, je viens de m'en sortir, c'était ouf! Non, y'a plus de place, mais je suis désolé. Tiens, prends une chaise au pire. Assieds-toi, prends ton temps, repose-toi un petit peu. Toujours rêvé d'être un musicien! Ah bah lui, alors regardez, lui il profite qu'il y ait personne pour danser sur les tables. Monsieur? À moi? Oula, pardon. Oh là là, ça fait pas mal une chaise. Enfin, franchement, honnêtement, chez toi, tu te prends une chaise dans la gueule, ça fait mal. Je sais pas si on a déjà pris une, mais moi je peux te le dire. On m'a déjà lancé une chaise dessus, ça pique un peu. Attention, je parle d'une chaise, pas un canapé meuble ou je sais pas quoi. Y'a quand même un mec qui m'agresse avec un bout de viande, quoi. Wouhou! Alors en fait, le truc c'est après, ils sont pas vraiment morts en fait, il faut que je les finisse au sol. Monsieur, attention, vous avez bu la tasse. Allez, salut! M'en bat les couilles, m'en bat... On voit pas vraiment les couilles en fait. Hop, esquivez votre cas qui esquive un petit chaval. Magnifique, il l'a fait. Putain, y'a un boxeur. Vous l'avez vu le boxeur? Oh, attends, il m'a enlevé toute la vie là où j'en ai perdu mes mots. Elle est pédée là. Pardon, oh putain, je l'ai pas reconnu. Ouais, on peut essayer d'esquiver, mais c'est pas un truc très utile. Vous battez pas généralement en 1v1, c'est toujours de la castagne. Mais c'est un steak ça? Qu'est-ce que c'est? On dirait un t-shirt trop petit. Ah, c'est un steak. D'où l'expression mettre une steak. Non. Est-ce qu'on peut remonter directement du coup d'ici? Ah ouais, putain. En fait, depuis le début, je pouvais remonter. Il y avait un bonus ici. Oh, le violent. Il m'a en plus dans les couilles. Là, c'était pas très gentil, hein. Wouhou, slow-mo. Je lui ai coupé la main. Excellent. Oh, j'ai eu le boxeur. Ouais, on est proche de la fin, à mon avis, hein. Monsieur, vous avez commandé une salade? Attends, je viens de te couper la main avec une assiette. Bon, arrêtez les enfants chez vous. Ne mettez jamais la table, c'est super dangereux. Vos parents vous disent, ouais, mais attends, je peux mettre la table, vous leur montrez cet extrait de vidéo où cette main s'est coupée. Aïe, non, pas juste à la fin, non. J'ai plus beaucoup de vie. Hop là, vous l'avez vu l'esquive ou pas? Vous l'avez vu chez vous? Parce que moi, je l'ai vu et ça rendait super bien. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts, attention. Il engendre une attaque, c'est parti, il va faire super mal. Le combat au sommet, attention. Et voilà! Tu viens d'où, toi? C'est excellent, cette arme. Je viens de couper la main d'un mec avec un micro. Bon, arrêtez de ne pas chanteur. Plus que 7 arrive bientôt à la fin. Ça va être excellent, attention. Vous êtes tous les 7 derniers? Ah bah voilà! Plus 3 mecs. J'en vois que 2, là. Tu reposes cette chaise, Michel? Merci. Ouh, 3-6! Et hop!
Yes! 63 armes usées, j'en ai cassé 54, une shockwave et j'ai fait 0 Smith. On va faire ça. Pas mal ce petit menu, hein, ambiance bar sympathique. Alors là, il y a le disco et. Alors, ça, c'est la sandbox. Et après, il n'y a plus rien. C'est parti pour une ambiance de disco ou de folie. Alors celui-là par contre je l'ai jamais fait donc je le découvre en même temps que vous. Wouh, dis donc, quelle ambiance. Alors tout à l'heure on a parlé d'un monsieur pipi, hein, un peu comme Dame Pipi qui était là. Mais lui en fait, lui il est juste là pour mater des bites en fait. C'est un mec qui s'installe là et dit vas-y pisse. Regarde, quand je pisse attention je me retourne. Regarde. J'ai mis une grosse ambiance dans la soirée. Salut salut les gars, ça va? C'est le barman, tu vois il s'en bat les couilles donc c'est le premier que je vais taper. Salut Johnson. Putain, il me fait penser à un mec avec un chapeau. Mais oui, c'est un chanteur même. Putain. Bon bah bref, je vous laisse le mettre dans les commentaires. Ça va être plus facile parce que moi là j'ai un trou de mémoire. Elton John, c'est bon. Waouh. Hey DJ, c'est de la merde. Merci. Je viens de sympa, mais c'est pas super ce que t'écoutes. Voilà. Je préfère qu'il n'y ait pas de musique, et juste une petite musique de fond. Qui c'est qui a oublié sa hachette? Salut. Salut. Je vais essayer de tuer Elton John, mais il vient de tuer un autre mec. Y'a pas vraiment d'objet en plus, hein, j'ai l'impression. Toi, vous voulez parler au grand Tony? Tu sais ce qui va se passer? Tu vas mourir! Oh merde, le con! Oh le con! Il vient de marcher sur la tête des gens. Y'a plus rien, y'a plus rien, y'a pas d'objet. Elle est chaude cette map, y'a pas d'objet. Eh, mais il est invincible ou quoi lui? Y'a un espèce de personnage bonus, j'ai l'impression, dans chaque niveau. Et ben dans celui-là, c'est lui. Mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée. Eh, le talent! Et oui, mesdames et messieurs, on peut le dire. On peut le dire, le talent percé. Il a un nunchaku lui. Ah, oh, je le veux trop. Ah, oh, ils ont des katanas. Oh, il y a un katana. J'ai pas réussi à le prendre. Bonsoir, pardon, poussez-vous s'il vous plaît. Attends, il y avait un couteau. Ah, oh, ils l'ont repris. Qu'on me rende mon katana. Même si c'était pas à moi depuis le début, je le veux. Ah non, 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 ils m'ont coincé. Bon bah les couilles, j'ai réussi à m'en sortir. Je suis pas loin d'avoir le bonus en plus, c'est ça qui me frustre un petit peu. Bonsoir. Ça va les gars? Yeah, j'ai le berserk de ready, mais on va quand même attendre. On le sait, on attend le dernier bonus. Il y a intérêt quand même que ça envoie le pâté parce que là, je suis en train d'en chier, hein, je vous le dis. Niveau vie, je suis pas très bien. Hein. Hop là! Et on y est bientôt. Plus que 5 kills, je crois. 5 kills, on y est. What the fuck? What? Qu'est-ce que c'est? C'est excellent. Tout ce que je vise, c'est la fin pour vous. D'ailleurs, on a l'impression que le jeu il lag, mais pas du tout. Hein. Bon, il y a eu quand même un petit lag, j'avoue. Bah, attends, du coup, le mec au sabre, il est mort, non? Ah non, il est là, je l'ai vu. Ah, le salaud, il a encore son sabre. Je vais aller au bout de ce niveau, hein, je vous promets. Hein. Du coup, ça m'a donné, ça m'a. Le Smith m'a tendu les ailes. Oui, tendu les ailes. Putain, j'ai plus que 6 ennemis. Si j'arrive à tuer. Voilà. On va essayer de les regrouper et de faire la super attaque. Non, Billy. Je crois que le jeu ne veut pas que je gagne. Ah, j'aurais essayé. On va pas dire le contraire, j'ai essayé. Mais j'avoue que l'homme. Ça va, les gars, je suis mort, pas besoin de continuer à s'acharner. On se calme. Merci. En tout cas, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre plein de likes sur le Facebook et sur le Twitter, à même recréer des comptes pour vous réabonner. Et surtout, mangez de la pizza. Salut! J'ai senti la tristesse dans ta voix, en tout cas. En allant un tout petit peu à gauche, des petites frappes à gauche. Mais c'est la droite, ça, Valentin. À la gauche. Ah, mais attends, mais la gauche, je tourne joystick. Ah, d'accord. Bah, oui.